Après l'interlancée à Kaolack-Soud à l'exhumation et l'incinération du corps de céphale présumé homosexuel, la justice a rendu ses premières décisions sur les 13 personnes arrêtées. 12 ont été placés sous mandat. Sur ces 12 mandats de dépôt, 5 l'ont été pour participation à une manifestation non autorisée. Les 7 autres prisonniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec infraction, usage de violence et complicité de ces faits, incendie volontaire d'un lieu d'habitation, rassemblement illicite causant des dommages aux personnes et aux biens, incitation au délit, diffamation, profanation de lieux de culte, violence de sépulture, offense au chef de l'État, violation de domicile, etc.